Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, la voix de la Mégane à Washington, moi c'est Jacqueline Belizère. Et un plaisir, l'autre fois encore, pour l'ensemble, pour nous présenter un programme dans langue créole haïtienne. C'est premier sorti nous pour aujourd'hui lundi, qui c'est 17 juin 2024, quelques grands points cap dominé actualité. Actualité dans le pays d'Haïti, Premier ministre Gary Conny visité famille policier qui était mort dernièrement là dans embuscade gang armée dans Delma 18 pendant que police nationale a mené plusieurs opérations pour déchouquer quelques gangs armés. Dans l'international, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu crasé cabinet de guerre quelques jours après démission quelques membres dans l'équipe là. Et puis actualité électorale ici aux États-Unis, activité et déclaration dans le cadre de campagne électorale pour présidentiel 5 novembre, avant premier débat qui fixé pour 27 juin cap vin là entre président démocrate Joe Biden et ancien président républicain Donald Trump. Et puis dans le sport bouillon boule dans l'occasion Coupe d'Europe des Nations 2024 là. Et oui, c'est point ça yo avec l'autre corps nous va le développer pour dans un petit moment nous connaît haïtien frais mais football en pile et dans un moment n'a parlé là et ben gain Coupe d'Europe cap bouillie là et dans semaine encore là pour aller gain Copa América donc n'a suivre pour actualité a mené dans pays d'Haïti côté que police nationale a mené opération pour dans quelle mesure que capable déchouquer quelques gangs. Et dans le week-end, ça a tout gagné le Premier ministre Gary Conny qui était visité et famille que policier Sayo qui était mouru dans Delma 18 en bas embuscade gang armé. C'est dans le moment ça tout que parti politique Vive Haïti lance appel par le gouvernement Gary Conny pour prendre décision rapide pour renforcer capacité opération force de l'ordre dans l'idée pour établir l'ordre et la paix dans le pays d'Haïti. Plus de détails avec Renan Toussaint, Lina Port-au-Prince. Porte-parole parti politique Vive Haïtien, Rony Timothée, encouragé Premier ministre Gary Conny pour prendre toutes dispositions adéquates pour bien équiper institutions policières sans le pas besoin changer directeur général pour résoudre problème insécurité. La police a une bagarre besoin là aujourd'hui là. Porte-parole parti politique Vive Haïtien, Rony Timothée, encouragé Premier ministre Gary Conny besoin hélicoptère. Il besoin bon char de guerre. Ouais, ça n'est là, là, pour transporter des troupes. Il y a pas un véhicule de combat. Non! Bon, nous, ça, Amérique, à bas Ukraine. Nous, ça, Europe, là, bas Ukraine. Bon, y aurait, mais nous, amis, nous, comme ça. Pourquoi ça, y'a pas servi, nous, comme ça, tout? Pourquoi y'a pas servi, nous, comme ça, tout? Nous, on a tout problème, yo. Je veux dire, là, ouais, problème, ça, n'est là, son problème haïtien lié. Entendre, nous, pour résoudre. Bon, côté PAL, coordonnateur général, structure ça, bureau, ODG, dit, pour lutter contre insécurité, hein, li pas important pour peuple haïtien rete aptan mission multinationale soutien à sécurité en Haïti. Action aptan nan an pa retan communauté internationale qui soi-disant dit pendant plus passé un an qui dit avoué force la vin eden chaque semaine yo mette bon deux semaines y a roulé nan farine mais c'est pour la première fois tout nous ouais société haïtienne nan li mette espoir sou moun. Mes amis, 12 janvier sont passés là, en 2010. Peuple haïtien pas tant de communauté internationale pour te reprendre force pour le vivre. Je veux dire, nous façon sécurité, ou insécurité sans pareil, ou insécurité programmée. Et pour jouer chaque jour levé, nous avons demandé qui les forces à rentrer dans le pays. Sans peuple haïtien, pas qu'on est force à lui-même. Mais on ODG à Rony Timothée fait qu'on est plus gros bagaille qui est plus important. C'est permettre à ce que route nationale yo débloqué pour citoyens yo capables vaquer librement à l'occupation yo. Ou en Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Et puis installation yo a continué dans le pays d'Haïti. Nous connaissons semaine dernière une installation pour le ministre Gary Conny et l'autre ministre. Et puis il y a plusieurs nominations encore qui fait dans l'administration au niveau administration publique là. N'importe dans la région Moyen-Orient, côté premier ministre israélien, suprême observateur, l'a décidé dissoudre cabinet la guerre, l'été mette sous pied dans commencement guerre dans Hamas. Jean-Robert Philippe, cap suivre de près pour nos situations ça, dit nous, jodi à chef gouvernement, pral consulter ak yon petit groupe sou toute question qui gen pouwe ak opération militaire dans territoire Gaza. Jean-Robert Philippe. Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens, yo fait qu'on est militaire israélien, yo boukant écoute zam avec militant Hamasio, lundi 17 juin, en an ville Rafah, avec l'autre côté, malgré la mer annoncée, yon pause tactique dans l'activité lyo.
Action ça a posé après premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dissout cabinet la guerre 6 membres li té meté sous pied depuis commencement guerre avec Hamas. Décision ça arrivé une semaine après démission dans gouvernement ancien général centriste Benny Gantz avec un autre membre. Décision ça permet premier ministre là consulter sur guerre dans territoire Gaza avec un petit premier ministre comme ministre défense là Yoav Gallant avec ministre affaires stratégiques Wonderman qui t'est fait partie cabinet la guerre. Cabinet la guerre t'est formé après ancien général Gantz t'est venu joindre Netanyahu dans le gouvernement unité nationale là mois octobre passé ensemble avec Patnel, Gadi et Senkot avec Aïe Deri, responsable parti religieux chasse comme observateur. Gantz avec Essencourt, tous deux quittent le gouvernement semaine passée, dans ce que vous qualifiez comme échec premier ministre Netanyahu pour créer un plan stratégique pour la guerre dans Gaza. Après démission de ancien membre cabinet de la guerre, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a écrit au premier ministre pour demander d'ajouter non dans le cabinet de la guerre. Dimanche soir, le premier ministre Netanyahu a annoncé ministre, il décide de renvoyer le cabinet la guerre au lieu pour lui ajouter un nouveau membre là-dedans. D'après nouvelle lieu, quelques questions qui étaient déjà discutées dans le cabinet la guerre a transféré dans le cabinet sécurité 14 maintenant. Chef gouvernement a ajouté décision sensible capable de discuter dans un petit forum consultatif qui capable gagner là-dedans ministre défense Yoav Gallant, ministre affaires stratégiques là Wonderman avec président parti ultra orthodoxe Chasla Aryeh Deri. Porte-parole l'armée israélienne, contre-amiral Daniel Hagari, insisté lundi 17 juin pour dire décision pas affecter opération militaire. T'es déjà gagné signe tension dans le gouvernement israélien dans le jour qui passait. Après le premier ministre Netanyahu avec ministre Eldouat Lio, t'es critiqué une décision militaire israélienne t'es prend pour observer une pause tactique dans l'activité militaire dans la ville Rafah, qui est dans le territoire, pour permettre plus de livraison d'assistance humanitaire. Pas avez dit permettre camion collecter assistance aux frontières Kerem Shalom nan qui en bas contrôle Israël dans sud-est Rafah, ensuite voyager dans direction nord-sud à l'intérieur territoire Gaza. Assistance humanitaire était bloquée sur frontière depuis Israël a commencé opération militaire dans Rafah mois mai passé malgré opposition États-Unis. Monsieur Ben-Gvir qui fait partie d'une coalition extrême droite décrit décision comme une folie. Pendant que les médias israéliens cité M. Netanyahu qui a déclaré « Nous gagnons un pays avec une armée et non pas une armée avec un pays ». Dans la déclaration, le Premier ministre Benjamin Netanyahu fait lundi 17 juin, il fait qu'on a une mission pour détruire Hamas avec libération otageux, pas changé. Jobert Philippe, VOA Creole, Maryland. Et n'a enchaîné avec actualité ici aux États-Unis pour nous parler de élection. Il y a pile activité avec déclaration qui fait dans le cadre campagne électorale ici aux États-Unis. Et pendant que n'a pris route vers le premier débat qui est pour fêter le 27 juin Capvinla entre président démocrate Joe Biden et ancien président républicain Donald Trump. Nous pourrons rejoindre Gentil Augustin Junior. Moins passé 5 mois avant jour élection yo, yon sondage fait portrait yon nation sous opinion bien ferme sous ancien président kap si men la troublay. Opinion général Trump ak opposant li nan élection général yo, président démocrate Joe Biden rete sans changement depuis avant verdict qui te dit Trump coupable nan dernier procès l'agent New York là. À peu près moitié nan grand moun américain yo approuvé condamnation Donald Trump pour crime. D'après un nouveau sondage qui sorti dans Associated Press NORC, qui c'est un centre recherche affaires publiques. Même une condamnation pour crime pas semblé changer opinion américain yo sous ancien président Donald Trump. Républicain yo moins ini sous verdict là passé démocrate yo. À peu près 6 républicains sur 10 désapprouvent yon ti kras ou soit fortement condamnation. Seulement 15% nan grand moun républicain yo approuvé. Ak à peu près 2 sur 10 républicains pas ni approuvé ni désapprouvé. Parmi démocrates yo, en revanche, plus passé 8 sur 10
yon ti jan ou soit fortement approuvé. Parmi républicains qui gen yon opinion négatif sou Trump, à peu près moitié approuvé condamnation. Li se yon ti groupe. Mais li ta pi bon ke yon bal attention. Et puis, c'est pas tout moun ki prend décision yo. Indépendant yo te gen plus chance pour yo di yo pas approuvé ni désapprouvé condamnation qui donc opinion yo te capable changer pendant n'a pas approché pi près élection. D'après un sondage 1155 grand moun dans tout pays a sou yon période 3 jours commencé yon semaine après verdict la ak tit garçon Biden te condamné pour zafè zam illégal à peu près 3 sous 10 yon ti jan ou soit fortement désapprouvé condamnation et à peu près 2 sous 10 pas ni approuvé ni désapprouvé. Perspective là, t'es même gens parmi électeurs qui enregistré yo. Ak à peu près moitié qui dit condamnation c'est bon choix. Yon l'autre côté, environ 6 grands moun américains sou 10 gen opinion défavorable sou Trump, qui consistant avec résultat yon sondage à Penok qui t'est fait dans mois février. 4 sous 10 gen yon opinion favorable sou Trump qui pas changé en pied. Chif yo aussi médiocre pour Biden. 4 grands moun américains sous 10 gen yon opinion favorable sous président démocrate là. Alors que à peu près 6 sous 10 gen yon opinion négatif. Sondage 1115 moun yo te fait 7 pour arriver 10 juin 2024 avec yon échantillon qui te sorti dans panel Ameri-Speak qui basé sous probabilité knock là qui fait pour représenter population américaine. Maj erre échantillonnage pour tout monde qui répond yo, c'est plus ou soit moins 4 points pourcentage là. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci, gentil. Donc, 2024, là, c'est une année électorale ici aux États-Unis. Et pas oublier d'être là, 5 novembre 2024. C'est pour l'élection présidentielle ici aux États-Unis. Sans oublier que le 27 prochain, c'est pour le premier débat entre ancien président républicain Donald Trump et président démocrate actuel, là, on a parlé de Joe Biden. Nous prenons l'Amérique latine, non? Et ben, bateau de guerre russe depuis semaine passée, a quitté dans Caraïbes, là. Puis président dans la zone Cuba, et ben, il a quitté. Sandra Lemaire, gain détail. Bateau force navale russe quitté la Havane lundi 17 juin, hein? Jean Saté prévoit, d'après agence nouvelle russe RIA, licité par Wall correspondant dans Cuba. Une frégate russe ensemble avec un sous-marin nucléaire est arrivé à la Havane semaine passée. Hein? États-Unis à Cuba te dit escale ça hein? Que bateau russe fait dans la Havane pas poser aucune menace. Cubain Ernesto Arias était sous place pour dire batoyo bye bye. Hoy en recibimiento también vengo a la despedida. Dis moi t'es là pour accueillir yo et moi venir pour dire bye bye parce que c'est un événement historique et moi c'est un bagage qui pas qu'à répéter pendant vino. Cubain Oscar Vladimir Del Bono lui-même t'est critiqué attitude l'Occident vis-à-vis visite bateau russe. L'impérialisme qui crée tout, je dis. Il dit c'est l'impérialisme ça qui crée fausse attente à constater par rapport à visite. C'est tout simplement un geste normal que vous avez toujours fait avec Cuba. Et moi, ça n'a pas porté aucune répercussion. Et il a réalisé ça plus tard. Il est pour vous partir. C'était simplement une visite entre pays amis. Cubaine Roxana Rodriguez lui-même dit bateau yo impressionnel. Fue bien interesante, una cosa diferente, no había tenido la oportunidad. Il était bien intéressant, pas de opportunité visiter aucun bateau qui était passé ici là. Sous-marin impressionnant, ou est-ce seulement bateau très impressionnant tout. Le barco muy impresionante también. Lázaro Antonio Varona était bien impressionné tout. Este tipo de barco da muy buena impresión. Les bateaux ont une bonne impression. Ils ont bien pris soin de lui. Au cas où ils sont rentrés en dedans bateau. Et puis ils ont quitté nous visiter bateau à côté de la structure. La qualité de ce bateau, ça y est bien. C'est une frégate. Et en général, c'est un bel bateau. Nous prenons bon peur.
En pile expert, t'es considéré visite là tant qu'on une opportunité pour la Russie montrer force li gagne. Nan moment li dos à dos avec l'Occident à cause la guerre Ukraine. N'a rappelé que yon sous-marin nucléaire américain t'est accosté nan port de Guantanamo nan Cuba pendant visite bateau russe et puis yon bateau force navale Canada t'est venu visiter Cuba tout. Nan ça tous les deux pays yo décrit tant qu'un déplacement routine. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Au toujours sur VOA Creole, on suit un programme dans la langue créole haïtienne. Merci d'être branché dans moment et salut toutes amis qui suivent nous dans moment ça, restez branchés. Merci d'être toujours été branché dans retourner dans pays d'Haïti côté un projet de développement communautaire sous écosystème là pour exécuter sous la Cul du Nord pour une durée 3 mois. Objectif projet ça, c'est augmenter quantité pied mangrovio dans zone là. Détail avec correspondant nous dans Cap Haïtien Gérard Maxino. Fonds Biodiversité Caraïbes CBF lancé un projet de développement communautaire côtier dans la Cul du Nord. Projet ça a duré 30 mois et a exécuté par Fonds Panaméricain pour développement PADF selon Lionel Isaac qui est directeur programme CBF là. Projet a pour le permettre une jeune capacité écosystème qui dégradé. Son projet de 30 mois, son projet qui vraiment que nous développer en partenariat avec la mairie de la Cul du Nord pour permettre aux écosystèmes qui dégradés pour retrouver capacité pour bailler service écosystémique que vraiment que eux-mêmes ont créé pour ça. Talabert Delens qui c'est Kazek deuxième section communale Basse Plaine commune la Cul du Nord réjouit pour travail ça yo qui pral encadrer secteur pêche là à fort pourcentage que yo rebrasement mangrove là la pro bénéfice pour moun qui fait la pêche yo tout aussi que y a renforcé et ravine yo tout y a fait rebrasement là encore y a aidé encore moun qui fait la pêche yo pour que et alivio cap sortir que en l'air pour que ou pas trop pas bail problème nan et la mer. Cependant, directeur général mairie la Cul du Nord Augustin Chalmay fait connait li gen gros réserve sous réalisation projet ça. Selon lui, il y a besoin support pour voie centrale là ak ANAP pour porter surveillance sous zone protégée. C'est un projet tant cou projet ça qui pral faire reforestation mangrove protection de l'écosystème biodiversité mais pouvoir local là lui même seul pas capable faire travail ça. Après travail ça fin fait faut pouvoir local là ta capacité pour pérenniser travail là. Mais capacité pour pérenniser travail là il y a plusieurs acteurs qui doit impliquer pour porter appui au bas pouvoir local là. Joseph Jackenson, qui est coordonnateur régional, unité coordination, projet ministère intégré à collectivité territoriale, souhaite bienvenue à projet ça qui selon lui pour le permettre mangovio retourner pousser sous la Cul du Nord. Nous avons ensemble de air protégé, un ensemble de mangroves qui nous perdu, en tout cas dans le cas de, du Cap haïtien et où il y a tout mangrove là pratiquement perdu. Je me souviens un petit monde qu'on doit sacrer les flamants roses, donc pratiquement bah ouais bête ça encore. Donc à chaque fois il y a un genre de projet qui visait et renforce ses capacités zone ça pour permettre que et biodiversité à respecter, pour permettre que l'environnement était sain. Donc moi trouver c'est une bonne chose. D'après directeur programme CBF là, il y a pris en pile disposition pour atteindre objectif projet ça a fixé notre point cap fini là yo. Gira Maxino Cap Haïtien pour la Fête d'Amérique. Merci Maxino, n'a quitté province pays d'Haïti, n'a pas entré dans diaspora et ben communauté caraïbe là qui célébrer mois héritage Caraïbes là dans Hartsfield Jackson Airport Atlanta et Yumi Janet était présent pour VOA Creole.
communauté caribéenne dans Atlanta a célébré mois héritage à tout pays dans Caraïbes là. Véroa créole était présent nous parle fort ouais comment ça t'est passé. Côté tout pays yo t'est metté ensemble pour capable faire gros festival ça qui t'est déroulé dans Hartsfield Jackson International Airport dans ville Atlanta. C'était sous direction et staff qui a dirigé Airport Atlanta. Plusieurs pays tant que Jamaïque, Grenade, Antigua et Barbuda, Trinidad et Tobago, Saint-Kitts et Nevis, Île Vierge et Haïti pour citer ça seulement, t'est réuni pour célébrer mois héritage caraïbéen vendredi 14 juin 2024 là. Communauté haïtienne Atlanta t'est présent après festival là, yo t'est parlé avec VOA créole pour montrer satisfaction yo. Parler d'un événement qui gagne beaucoup plus qu'une décennie, qui est engagé par Airport là, puisque c'est nous connaissons Airport qui réunit plus de monde dans le monde là. Mais il y en a pas qui ont fait, surtout avec le monde qui est en tête Airport là. Je tiens à ce que vous manquez zone Caraïbes là, qui est souvent capable de limiter. Et c'est dans ce sens, à chaque fois, il y a parlé d'un héritage qui fait de nous, en tant que peuple noir, plus précisément caribéen, nous mettons événement ça pour être capable de célébrer la culture. Et nous sommes passés un très bon moment. Parce qu'il y a très avec célébration ça, pour nous, c'est un événement extraordinaire. C'est bon. J'ai présenté et représenté culture haïtienne, comme nous connaissons bien. Manger son bagage qui unimoune. Manger son bagage qui fait que gagner la joie, la contentement. Depuis dit manger haïtien, tout le monde couvre. Moi, je viens là avec du riz, du riz, je viens à grillot, je viens à piclis, pain patate. L'homme dit ça, l'ing pa nous est tellement long que c'est le nous fini, le manger nous fini. Il y a mon intérêt à dans l'autre ligne yo. Son bagage qui fait plaisir en pile, c'est ça que fait pas jamais rater une occasion pour me servir pays, pour me représenter pays. Bon côté parle consul général Haïti Atlanta, madame Mitsuka Petit, montrer satisfaction li et voyer un message unité pour peuple haïtien. Donc chaque événement ça yo fait, nous participer, nous ajouter en plus son valeur, nous ajouter son bagage en plus. Et puis c'est tête ensemble, Jean ouais, ou ça dit là, nous tout pays dans Caraïbes là, you essayer côtoyer l'autre. Nous tout rien problème pas nous, chaque pays qui t'a fait ba yo. Mais ensemble penser n'a privé jouer dans destination finale, ça côté nous Yon festival qui pas réuni en pile moun comparé à année passée yo, mais ça pas empêché te gen exposition tableau, produits artisanal à gastronomie pays yo. Yo Mijanit pour VOA créole Atlanta. Merci Yomi, donc t'es gampi l'activité pendant week-end, t'es gain tout édition 2024 Bayoa qui déroulait samedi 15 juin 2024 là dans Lena Orange Brandsheld Prospect Park Brooklyn en présence environ 10 000 moun. Glorieuse Nelson t'es présent pour VOA. Séan, environ 10 000 moun haïtien pou pi plus te rassemblé nan Prospect Park Brooklyn pou kapab asiste Bayo. Konsè sa ke DJ producteur Michael Brown mette sou pie te démarré en Haïti avant li travesse nan Amérique Noire. Pour édition 2024 lan, DJ an fè alliance ak Brick Media kap jere festival ki rele Brick Celebrate Brooklyn ak conseil municipal Ville New York lan. This is the biggest show we have ever done. I'm so happy to see so many people in this place right now. I'm tellement content, ouais, haïtien à Kala Josia. Parmi conseillers municipaux qui étaient présents dans Bayo, nous t'ai croisé avec Faradoui qui représentait district 45 là. And nous là pour représenter Bayo. This is very important for our community. Ça a une opportunité pour nous camper comme haïtiens dans New York City pour nous célébrer qui est-ce nous y est. Pour nous c'est la musique communauté our heritage, our culture. I'm so grateful that Brick Media Arts is hosting tonight and is supporting the community in this way. Tankou ça fait à chaque édition Bayo, yon latriye artiste haïtien ak étranger te participé nan concert. Nous te gen chance parler ak Andy Beats, Trouble Boy ak Pierre Jean avant yo délivrer performance yo.
Je dis que c'est un plaisir pour moi, c'est un honneur pour moi encore une fois pour me faire partie de Bayo. Parce que Pape Bomanti, son famille qui est vraiment solide et Michael, et mettez Bayo sous pied en façon pour le pousser culture là. Et je trouve qu'il a fait ça très bien avec la plateforme ça que lui créé, qui a vu une plus grande de jour en jour. C'est un honneur pour moi. Vraiment content parce que là, on a vu la culture haïtienne monter sur le monde de Tsabgat Sakafeta. Nous connaissons toujours dit plateforme ça qui Bayo. Et tout Dieu fixé sous lui. So, je dis à la, nous allons faire l'obéir, nous allons monter au ça à ICPZ. Trouble Boy Hitmaker, comme toujours, je suis toujours là avec un sentiment de respect, l'amour. Et si vous êtes ici à ICN, partager et ça nous gagne à l'autre diaspora qui va vraiment inclus dans la communauté, pas nous, comme si essayer à grandir la communauté. Nous. Et puis, networking avec l'autre artiste qui va vraiment connaître l'artiste haïtien. En plus, M. Silayo, l'autre artiste, Kousarina, Danola, Paul Beaubrun, Annie Alert, J.Perry, Tony Mix, groupe Tabou Combo qui est organisateur, ont profité honoré, ou sinon artiste international, Olak Sade et J. Balvin, pour ne citer ça seulement, te participé dans l'événement Sila qui était riche avec performance artistique. Malgré édition Bayou a commencé bien bonheur dans l'après-midi 6h, public l'a été envie continuer à célébrer les programmations finies vers 10h30. Et c'est avec musique yon bon rara que l'assistance s'en déplacé qui te part là. Moi, elle est Glorieuse Nelson, depuis Brooklyn, New York. L'autre point dans l'actualité et pendant le week-end, tout, et pour être ça, gagner yon programme langue créole haïtien qui pourrait le faire dans Indiana sorti 17 privé 29 juillet au Bedlami gain détail sous point ça. Pour être ça gain un programme langue créole haïtien qui pourrait le faire dans Indiana sorti 17 juin pour arriver 29 juillet. Linguiste haïtien Webster Corneille a fait un cours créole pour tout monde à grand monde. Puisque moi travaille dans domaine éducation, dans domaine formation et puis moi et en contact en pile avec élèves, students et avec professionnels tout. Ça fait un peu de fois qu'il y a deux modes, moi, t'as capable de dire pour, langue créole là, et il y a deux modes pour plus compréhension sur culture créole là, parce que, il y a une population haïtienne, going Haitian population, dans Indiana. Une sponsor programme ça, c'est Centre pour Amérique Latine et Études Caribéennes, Université Indiana Bloomington, une première université États-Unis qui a commencé à enseigner créole dans l'année 1968. Directeur Centlan, Dr. Serafin Coronel Molina, expliquait pour qui ça l'a choisi si porter programme ça. I felt excited and at the same time. Moi t'es vraiment excité. Et m'te gagne un peu l'émotion tout, comme un linguiste. Les moyens nous gagne opportunité pour nous continuer offrir cours créole haïtien dans l'Université Indiana. Programme était ça, Webster Corneille proposé nous un extrêmement intéressant. Et c'est peut-être ça, immédiatement, m'te dit en avancer avec programme ça. Li nécessaire, li important, et li vraiment important pour moment ça. Cours créole ça a fait en ligne avec nan classe. Et en plus, yon club conversation créole qui a fait chaque vendredi, curriculum nan gen plusieurs activités qui a aidé élèves à apprendre langue créole là pendant y a bien nan kilti haïtien. Nous pral gagnen et matériel pédagogique, par exemple, comme des livres, n'a pas le basé sur audio tout. Par exemple, quand nous nous attendons faire exercice, il y a pas le gain VOA News, parce que il y a pas le besoin de faire devoir côté, par exemple, il est capable, non, et gain chance d'entendre conversation réelle par rapport avec ce qu'a discuté dans l'angle. Avec un groupe étudiant qui gagne toute profession et qui habite dans plusieurs pays, tant qu'en Angleterre et Australie, Webster Corneille espère programme créole ça a joué un rôle ambassadeur pour pays d'Haïti. L'idée à tout c'est comment pour ça lui-même il aider et comprendre plus bien narratif haïtien, never ever about Haiti. Comment il comprendre qu'a faire comprendre plus bien narratif sur haïtien, comment pour ça capable faciliter une plus bonne compréhension de ça qui a passé à Haïti ou bien de fait qu'il tire lui mais de qu'il s'est payé. Donc si pour ça qu'a joué un rôle ambassadeur ça, donc c'est un très très bon bagage pour moi-même. Obed Lamy, pour VOA Créole depuis Chicago.
Et c'est là tout, on a metté fin dans programme dans aujourd'hui. C'est ton plaisir comme d'habitude pour nous t'es avec. Pas oublier nous dire qu'on bouillon boule capé en Europe là. Et dans moment, n'a pas les là gagné yon Autriche avec la France et match à 1-0 autogol. Donc nous continuons à suivre et puis pas oublier tout ben le 20 pour aller gagner Copa America. Donc des bouts de boule, ben haïtien content. Donc nous t'es content présent au programme là. Merci pour attention, merci pour fidélité. Nous remercions Nelson. Nous remercions Jean-Marc Hervé Abela, sans oublier Jared Williams, qui est stagiaire nous par Boïs. Moi, c'est Jacques Lembelizer, qui a cassé rendez-vous avec nous pour demain pour une autre édition. Rendez-vous info. Bonsoir tout le monde. Oui, on a fait un 3 et puis après ça, on a tout de même. Ah, mais ok, d'accord, on va faire silence pour mettre sous mettre. C'est ça le problème. Problème insécurité, problème politique, problème grand goût, misère, chômage, c'est parmi les problèmes que peuple haïtien connaît jeudi. Et José Alain dit clairement que, il y a plus de monde qui a vivre dans Badelma. Il y a plus de monde qui a vivre dans zone Delma 2, Delma 6, Delma 4, Delma 18. José qui commence à plaindre pour qui ça? Parce que, dans une série d'interventions, non, mobilisation que la police a fait là, pour que yo capable pote boue sous Jimmy Cherizier et barbecue, yo senti que, bah, la pral compliqué pour yo. Mais la chose que m'de dit que, c'est pas tout le monde qui vive dans le bloc sa yo qui n'a connivence avec Bandi. Nous d'accord sur ça. Mais, gèle moun tout, c'est parce que pas de possibilité, li pas de moyen pour le déplacer. Et li obligé rete la côté lié. Et voilà que nèg armé sa yo yo vin mette moun sa dans des situations pour que yo ka fè moun sa vin servi comme bouclier yo. Mais la d'accord tout que des moun qui en bas yo c'est vraiment des moun qui n'a connivence avec bandi armé yo. Barbecue qu'elle saute en pile parce que à travers une vidéo qu'elle fait li contrôler combien chablende qui déjà mobilisé en dedans bas 6 mois dans Delma 2. Elle déjà compté toute quantité matériel engin lourd qui mobilisé pour al craser mais pour al mener des opérations en base li. Barbecue fait sortir la vidéo pour montrer que li pas fait vidéo encore et li censé montrer que est-ce qu'elle paraît ou pas pour le gouvernement avec la police et une récemment le dit police pas besoin gaz et gaz li gen gasoline yo met vini là-bas au gasoline. Il demandait aux policiers pour mettre les pieds à terre. Descendre char. Mais nous, je dis, discours commence à changer. Discours commence à changer phase. Nous dit que, avec Rivé, Normil Rameau comme DG la police, c'est vrai que quelqu'un qui bien ouais Rivé Normil Rameau dans la police, non? Mais en même temps, tout quelqu'un qui va bien ouais Rivé Normil Rameau dans la police, non? Parce que je dit en 2020, les que Rameau était DG la police, non? T'es une situation insécurité et a posé question qui ça t'a fait comme action concrètement. Gen moun ki pi félicite Ramon l'été DCPJ. Mais en tout cas, nous connaît très bien bataille qui t'a existé entre Ramon et PM Jout et qui ça t'a à la base bataille ça que moi-même avec des Sibenes nous pas vraiment connaît. Mais je dis à tout le monde d'accord. Peuple haïtien d'accord. Diaspora haïtien d'accord. Faut qu'il y ait sécurité dans le pays. Ouais, ça? Pas qu'il y ait débat sous lui. Pas qu'il y ait débat sous ça. Tout le monde d'accord, faut qu'il y ait sécurité dans le pays. Et pour qu'il y ait sécurité dans le pays, mais chaîne qui existe, qui va nous sécurité ça, mais faut que chaîne ça lui-même en soi, autorité prend de sanctions contre chaîne ça, autorité agit contre chaîne ça. Et l'homme dit chaîne, non, il y a plusieurs maillons là-dedans. Il y a des négas apatios, il y a des aversions, et il y a des secteurs, il y a des groupes qui n'ont pas payé, et qui n'ont à l'étranger qui a alimenté la sécurité. Mais ensemble de maillons ça, yo quoi que je dis, il faut que vous m'ayez, pour que si nous besoin effectivement, il y ait sécurité dans le pays. Il y a des acteurs qui disent que ils n'ont pas inspiré confiance ni dans DG la police qui arrive là, ni dans le gouvernement qui est connu, non, et ni dans le conseil présidentiel. C'est ça que le monde dit. Opinion partagée. Désir, comment est-ce que parce que nous prenons venir avec invité nous qui déjà prêt à le porter à nous et réponse que lui-même nous prenons avec question que nous avons posée. Désir, comment est-ce que
Mais c'est ça, nous content de rejoindre pour nous venir parler avec les amis internautes dans Carrefour Vérité. Songez Carrefour Vérité, ça, les grands tichèzes pour recevoir invité et même surtout, les grands paquets de l'autre gauchèze qui pratiquement allié pour les amis internautes qui brancent tout partout pour qu'on ait ça qui a passé en dedans pays à l'invitation. Tant que j'en ou essayer regarder, ensemble opération et soit la police à travers diverses unités spécialisées qui dans la police, non? Tant que nous avons dit ITAG, unité tactique et anti-gang, ou bien unité temporaire anti-gang, gagne brigade de recherche intervention, BRI, qui pratiquement sélectionné et SIMO et section Angelou, qui à travers police nationale d'Haïti, qui décrété la demande. Pour moi, ITAG et BRI, ITAG, SIMO, et puis section Angelou, qui en dedans, PNH, qui décrété la permanence absolue pour mener opération en dedans et dans Badelma côté barbecue avec bande criminelle qui l'a dirigé entendre pour faire ça ouvrir à ça hôpital depuis un bon bout de temps. Ça lui montre automatiquement on crasse volonté qui gagne bon côté la police. Toutefois, les bandits t'es contrôlé policier ou bien les t'es contrôlé de simples citoyens si on t'es fait une opération ou bien intervention des forces tant que ça a démarré qui inquiété barbecue ça qui arrivé policier Itagio la situation moi vraiment gain doute qu'elle t'a privé et nous souhaitons que les policiers continuent dans cadre travail ou bandits criminels suspendent comprendre que c'est chef en dans pays là l'autre aspect que nous regarder l'ensemble opération qui a fait là et pour y réussir faut que c'est pas facteur de chance que la situation parce que modèle opération dans milieu urbain qui lié avec question criminelle qui a pataille banda lycée technique, science et information et bon entraînement et moyen. Est-ce que ça est disponible pour PNH là? M'a préparé pour vous encore. Technique, science, formation, entraînement, moyen et information. C'est ça qui permet dans le milieu idéal, côté qui gagne gang, dans l'aire métropolitaine, à l'autre ville provinciale pour capable ici. Est-ce que chef CSPN, Gary Conny, libre accompagné policiers pour résoudre problème qui gagne parce que Ariel Henry qui fait ce passé a pas de volonté du tout tout le monde t'arrive comprendre que Ariel Henry te démèche avec gagne à tout gouvernement est-ce que Gary Conny à conseil présidentiel transition est-ce que yo pral faire la différence c'est que tout le monde a prétendre la situation nous pral regarder ensemble point ça avec invité a sans doute gouvernement qui installé et pendant semaine qui se passé à la situation qui ça que invité a sans doute comprendre de gouvernement et Conny. Est-ce qu'il y a des têtes qui ont fait confiance dans ce qui est installé? Est-ce qu'il y a des gens tout? Et il y a des suspicions, il y a des doutes sur eux. C'est les mêmes qui pourraient dire nous comment qu'elle comprennent. Est-ce qu'elle imagine le résultat en faveur du peuple dans le monde de la situation? Professeur Bolivar, comment est-ce que vous avez dit avec vous dans l'émission ça, on l'a fait encore, puisque vous passez dans la déjà. Émission Carrefour Vérité, sur ensemble médias, ça qui va regarder et diaspora haïtienne qui va jamais suivre et ensemble des interviews, ensemble des émissions. Comment est-ce que Professeur Bolivar? Bon, nous saluons Peterson, nous saluons Blaise, nous saluons diaspora haïtienne qui là dans tout mauvais moment, yo, yo la maladie, yo la mort, yo la pays lock, yo la pays crasé, yo la pays fermé, yo là parce que c'était tout haïtien jusqu'à 2 à 3 milliards de dollars chaque année. Mais nous pas qu'à être indifférent tout pour nous passer à la population haïtienne, surtout moun k'ap viv dans zone défavorisée, yo, moun k'ap viv côté gang armé au siège, yo, mais ça fait nous sentir que bon vent l'espoir. Mais vend l'espoir pour lui fait c'est à travers bataille sous toute forme pour nous délibérer pays a avec question banditisme qui dans pays a je dis que fait éducation li à trois vitesses mais malheureusement levier pour accélérer vitesse dans capitale là il parle là-dedans parce que toute l'école publique yo gagné de monde qui siège là-dedans par rapport avec zone qui assiégée par les bandes armées donc dans Cafoufeuille dans Solino lycée Pétion des jeunes filles, Marie-Jeanne, Gravine, jusqu'à Cafou, Daniel Fignol et tout. Mais il faut comprendre, je dis là, on petit monde qui est dans le 9e année, qui est dans le lycée Sao, on petit monde qui va faire baccalauréat LS4, qui n'est pas capable de gagner même mode opératoire avec un petit monde qui l'école jusqu'à présent Saint-Martial, jusqu'à présent Giragoug, parce que zone Sao est différente par rapport à la question de l'éducation. Professeur Bolivar, et vous t'aidez bien, professeur Bolivar? Oui, me comprends très bien. OK, et phase éducation n'a quitté dans interview parce que comme professeur, moi crois li important pour regarder le tout interview avec arrivé nouveau ministre non et ça n'a privé là. Mais professeur Bolivar, je dis hein, et ça qui c'est alors plus gros ça qui est préoccupé chaque haïtien en Haïti et s'il est à l'étranger,
li parle autre question insécurité. Situation insécurité là. Ou même comme professeur, comme citoyen haïtien d'abord, bon dire comme ça. Et comment que n'a vive, comment que ou vive dernier moment ça yo question insécurité hein, sorti de 29 février arrivé jeudi. Bon, moi-même justement comme citoyen qui est engagé dans le pays, la question insécurité généralisée qui dans le pays d'Haïti, ils sont insécurité planifiée par l'international. Même dit par l'international là, généralement par les États-Unis d'Amérique parce que c'est lui-même et la Cali, ZAM SAO de grand calibre, ZAM automatique SAO sorti et qui passe filiale ça, qui permettent que ZAM SAO entre dans le pays il y a depuis environ 5 années. Côté li impose hégémonie à travers une bataille géopolitique. Faut pas comprendre une situation. Les États-Unis avec la Russie le conflit qui pas guerre froide encore. Et généralement en 2021 ministre affaires étrangères russe là, Segev, a déclaré que c'est les États-Unis qui mettaient Haïti dans instabilité chronique là. C'est pour permettre que gagne hégémonie. Ou quand regardez jodi a la, gen ensemble de matériel militaire qui débarque dans le pays a, mais cependant jusqu'à présent ou gen doute sous Vini et Kenya, force kenyenne, Vini force béninoise. C'est parce que jodi a la, les États-Unis considèrent Haïti comme zone de stratégie. Au lieu de combattre la peine qui au lieu de combattre la sécurité a permet que zam pas entrer balle pas entrer là caï nous, eh bien, li kite vague ça ouvert pour nous on a battre à l'autre. Le sali même, la hégémonie, la paraît comme père de famille, vient pour cette solution. Mais au grand jamais. Mais nous autres, comme citoyens, nous-mêmes, comme avant-gardistes, faut nous lire la lettre finie pour nous comprendre la crise qu'il a, les sont crises qui multidimensionnelles et conjoncturelles. Pour nous jouer une sécurité que nous avons cherché, nous sommes obligés d'engager de forces nationales. Parce que, à travers, bon, dis-nous, après 600 millions de dollars pour engager une force chaque année en Haïti, voilà que 600 millions de dollars, ça, la permet que Haïti génère une force de police qui a tout matériel et une force militaire qui est capable de sécuriser le territoire avec un effectif. On dit 25 000 militaires et 35 000 policiers. Là, ça, on est capable dans toute section communale, dans toute commune, dans tout département, où il y a une force de l'ordre qui contrôle les populations avec le territoire national là. Mais sans ça, je dis, est-ce que vous pensez 12 000 policiers qui ont sécurisé 13 millions de monde? Est-ce que vous pensez 12 000 policiers, 4, bon, moi, m'en bon, m'habite en pleine. Ma kon, depuis qu'il est, moi, on va quoi police dans zone sale. Sauf, gon chat qui campe seulement sous pont à part. Après, tout reste des communes, quoi, des bouquets à ça, les blanches, comme backup la police. Ça veut dire, c'est espace ça, qui était pour gang, fait la loi. Les gangs n'a fait la loi, obligé l'or, pas l'eau vigilant. Mais je dis à tout, faut nous comprendre que, Vini, monsieur Ramon, notre police là, est-ce que la potée solution, elle considère déjà, pour nous, elle était ratée déjà. Mais, il y a une volonté manifeste dans l'État qui vient et qui dit, bon, il faut que ça prête là. Et l'État, il existe seulement à travers toute commune, ça a un commissariat au bon pays. L'État pas existé dans l'autre domaine encore. Ça a tout, ou carrément que la population, elle plus collaborer avec gang. Que il collabore avec la police parce que les gangs ne veulent pas faire mon fait kidnapping de tourner camion, ils viennent tourner en aide sociale, ils payent l'école pour mon communauté là, c'est les bas aux armes, c'est les bas aux manger, les fantaisement. Faut que l'État bon côté partout, il fait répartition. Les ça n'a permet que monde qui dans communauté ait autonomie, l'État à présent, des centres de santé, des l'école, des formations professionnelles pour tout le monde. Les ça l'État, il actif, des projets sociaux. Des projets d'apaisement social parce que nous sommes un pays qui est extrêmement pauvre. Et pas sans savoir, je dis à la nous-mêmes comme citoyens, ou non médias, ou à former, ou à informer population, mais malheureusement, conditions n'ont pas changé pour nous. Parce que nous sommes un pays qui vit dans la pauvreté extrême. Il vit dans un problème d'ordre social, d'ordre économique, d'ordre éducatif. Chaque haïtien, je dis à la, a battu pour sauver pour eux. Pour sortir Haïti, pour aller au Brésil, ça veut dire, et cette époque, et Rome, généralement, pour sortir tout espace, tout kilomètre, ça, pour remonter l'Amérique centrale, pour arriver à l'Amérique du Nord, ça veut dire, ou presque non, 1 million de kilomètres. Ça, c'est inacceptable. Faut que nous informions la population, pour nous dire, de quoi s'agit-il? Je pense que,
nous-mêmes nous te sollicité et CPTA parce que faut que tu gagné yon l'autre institution ou l'autre groupe monde qui t'est pour venir pour prendre un pays parce que pays a été dans l'abîme parce que tout est juste écrasé. Ariel Henry pas de volonté avec équipe 21 décembre équipe au septembre pour faire élection dans le pays parce que tu Québec gagné pour te nourrir gagné pour état pour faire quelque na dans tête pays et voilà que si tu fais élection il t'a contesté et puis c'est gagné t'a toujours au timon des affaires de l'état. C'est la raison pour laquelle nous même nous prenons au mot et n'a suivre pays avec plus attention pour nous comprendre que pour une population faut être très intelligent pour pas faire mariage ba nous pour te faire élection pour éviter pour gagner reprend pays encore. Mm. Ça veut dire je pense l'état la police CSPN la justice faut nous même comme population nous même comme avant-gardiste nous même comme cap informer nous faut li l'enlette fine pour nous garder est-ce que ça nous gagne comme volonté pour nous combattre insécurité est-ce que l'état li préparé pour ça je ne dis là combattre insécurité en toute égalité, il faut gagner effectif. Il faut que l'État prépare pour faire recrutement des jeunes. Ce n'est pas un pays. Ou un pays qui a demandé aide multinationale là, ça qu'on a fait. Il prépare les gens qui ont bataille pour tout ça. Les États-Unis, ils préparent jusqu'à environ presque 1 million de soldats. Ça veut dire, ou venez un devoir civique, ou un devoir citoyen pour parcourir le service militaire. Je dis à la fois que nous mettons dans le curriculum nous tout pour nous préparer des jeunes, depuis faire baccalauréat, ils parlent à l'université. Faut au moins bay 3 ans. Faut bay 3 ans service militaire. Laisse ça, chaque haïtien pas besoin de pesam, laisse ça. Yo fait nous pesam depuis deux balles tirées là kakavou. Excusez-moi pour l'expression, kakavou dans votre tour et puis tout kakavou. 10 tek pour zone. On zone qui gagne exactement 20 000 moun, 10 tek font groupe gang et puis yo prennent dans la main. Par contre, vous comprenez non? Même l'Éternel, c'est l'Éternel des armées. Et ça vous nous comprenez je dis là. On zone qui gagne exemple 5000 moun la donne et puis remarquez 10 jeunes garçons avec deux galil là mais 7 9 mm 3 12 et bien tiré là tout le monde soumis voilà que même sur la police il pas fini et la police qui vient sous souvent qu'on relel qui moun ni bat tout encore c'est moun qui a relel yo ça veut dire nous avons un problème d'ordre social les ça faut qu'on gagne de formation et d'information pour la police à travers organiser des institutions.